Hey, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo découverte. Et oui, encore une découverte. Mais une découverte sur quoi? Ah bah ça, vous allez le découvrir. Du moins, est-ce que je laisse le suspense ou pas? Vous aimeriez bien savoir, hein? Vous allez savoir ça tout de suite. C'est parti! Et nous voici sur Axiom Verge. Et oui, on se retrouve sur ce nouveau petit jeu qui est sorti sur le launcher de Epic Games le 7 février. Je sais plus exactement, mais il est sorti récemment sur le launcher de Epic Games. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, allez-y. On verra, s'il vous plaît. Vous pouvez le prendre, s'il vous plaît pas. Bah tant pis. En tout cas, ce jeu est un... D'après ce que j'ai vu, est un Metroid-like. Tout ce qui est en rapport avec des jeux de plateforme, avec une map cachée qu'on découvre petit à petit, avec plusieurs objets, avec plusieurs objets d'amélioration qu'on va découvrir au fur et à mesure, soit avec des petites énigmes, soit en tuant des boss. On verra, celui-là a l'air bien, vraiment. Niveau des graphismes, Ça revient sur les vieux Metroid. C'est un style de graphisme que j'ai bien aimé sur les anciens Metroid. Et celui-là, sincèrement, j'ai hâte de le découvrir, de le faire avec vous. Donc, ceci est un premier épisode. Voir si vous aimez le jeu. Si vous aimez, explosez la barre des pouces bleus et mettez un commentaire vraiment pour me dire si vous voulez la suite. Et en parlant de Metroid-like, si ce style de jeu vous plaît, on peut peut-être faire aussi d'autres jeux du style les Metroid, hein, les vieux Metroid et tout. Moi, ça me ferait plaisir de faire des vieux jeux comme ça parce que je les ai adorés. On peut les faire, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Pour ça aussi, mettez un commentaire et explosez la barre des pouces bleus, vraiment. Alors aujourd'hui, on va découvrir Axiom Verge que j'ai mis en français parce qu'il peut il me propose de le mettre en français dans les options. C'est déjà bien, en tout cas c'est un jeu qui peut être en français, c'est déjà pas mal. Alors on va démarrer. Nouvelle partie en normal. Ah, on a que normal et difficile. Bon, c'est pas plus mal, hein. On va faire d'abord en normal. Waouh, et nous on se réveille là comme ça. Dans un style d'œuf. Trace. Réveille-toi, Trace. Ouais, je me réveille. Que s'est-il passé? Trace, il y a arme dans la pièce d'à côté. Tu dois la récupérer. Attends, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Et oh, où suis-je? Ok, donc on se déplace comme ça. Appuyez sur le haut pour sauvegarder. Ben on va tout de suite sauvegarder, hein. Partie sauvegarder. Ok. Donc on saute comme ça. Donc voilà. Vraiment, là vous avez l'exemple d'un Metroid-like. Donc on apparaît comme ça tranquillement. Et c'est pas cette pièce qu'il faut aller.
Et sincèrement, ce style graphique, vraiment pixel et tout, c'est stylé, quoi. C'est vraiment stylé. C'est magnifique. Ça nous fait vraiment penser au vieux jeu. Ah, c'est classe. Waouh. On saute, on a une limite tranquille et on a une arme. Ouais, mais c'était écrit en mode tout chelou. Alors, disrupteur d'Axiom. Une arme biomécanique haute technologie. X pour. Ouais, ok. Ok. Est-ce que c'est l'arme dont parlait la femme? Ok, donc la personne qui nous a parlé au réveil, c'était une femme. Je vais donner une voix d'homme. Excuse me, madame. Où est-elle un produit de mon imagination? Ben moi, j'aimerais bien savoir où ce qu'on est. Désolé, je suis très faible. Tu dois partir maintenant, avant qu'il te retrouve. Avant que qui me retrouve? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Bon, on dirait qu'elle a encore disparu. Alors, ok, comme ça, on peut tirer en l'air tranquillement. On peut bloquer notre position, on est tranquille. Ça, on peut les détruire. Voilà. Non mais j'ai dit détruire, voilà. Non mais oh. Attends. Je retourne dans la pièce là. Si on peut détruire ça, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Ouais, vaut mieux tout vérifier. Non, il m'a pas l'air d'y avoir des trucs cachés. Je fais la petite sauvegarde avec l'arme où on est tranquille. Partie sauvegarder. Et on continue. Que nous arrive-t-il? Alors, au début, on a vu qu'on était soit dans un style de labo. Mais je vais te tuer, toi. Viens là, voilà. T'es mort. Donc, au début, on a vu qu'on était dans un style de labo qui a explosé. Mais nous, que nous est-il arrivé? Ça, je sais pas du tout. Parce que normalement, on est mouru. Normalement. Ah là 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 là. Vas-y, tire. Je sais pas pourquoi je les massacre. Je prends mon temps pour les massacrer. Voilà. Attends. Ah ben oui, il y a une porte là en bas. Pourquoi je vais pas aller par ici, moi? Ah bah parce que je peux pas encore y aller. Ça, c'est réglé. Vraiment, ça me fait trop penser à Metroid. Le Metroid qui était sorti sur NES. Non, Super NES. C'est le cas, c'est Super Metroid. Ouais, je pense que c'est Super Metroid. Ça me fait trop penser à ça. Sincèrement, aussi la chronologie parfois des Metroid. Faudrait que je m'y remette aux Metroid, que je les refasse. En tout cas, pour le moment, on monte vers l'infini, vers l'au-delà. Oh, attends. On a vu une petite bouboule là en haut. Qu'est-ce que ça va être? De quoi avoir de la vie en plus? Quoi ça? On peut pas le détruire pour le moment. Pas de soucis. En tout cas, là, notre chemin est tracé. Là, toi, t'es mouru. Mourez. Voilà, comme ça. On tire sur lui. Parce que ça, c'est des vilaines bêtes. Faut-il que je monte par là? Y a quoi vers là en haut? Ok. On peut encore monter plus haut. Eh ben, dis donc. Ça va être le style de jeu où on va se perdre au début, sans savoir vraiment ce qu'il faut faire. Voyons voir. On a une carte. On peut établir des rappels. On peut avoir des cartes précédentes. Donc s'il y a plusieurs trucs. Inventaire. On a que le disrupteur.
pour le moment et on n'a qu'une amélioration pour l'arme. On n'a pas de notes. Et ben voilà. Ça c'est dit. Et ben voilà, ça c'est fait. On peut pas aller là, mais il y a une petite boule. Et vous, vous allez me gêner. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça, normalement, c'est pour regagner de la vie. Voilà. Et voilà. Et ça... Ah non, c'est juste pour activer le portail. D'accord. Et il y a quoi par là? Donc, on monte tranquillement. Ça, c'est vraiment cool. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Encore du truc alien. Nova. Tirer une fois lancé un gros projectile. Tirer à nouveau, il le fait exploser. Serait-ce des styles de bombes? Ah ok, c'est un truc comme ça. Oh. Ah et c'est stylé la façon où on peut changer les... Du moins les capacités de l'arme. Parce qu'on ne change pas d'arme. Ah oui, faut que je fasse gaffe. J'ai un certain nombre limité ici. Ah non. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas un certain nombre limité. C'est juste l'emplacement numéro 2. En tout cas, on a une amélioration en plus. Ce qui est nickel. Allez. Ah, c'est parti. Ok. Voilà, c'était pour ici. Aïe. Aïe, 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 aïe. On va garder ça. Voilà. Mourez. Et redonne-moi de la vie, toi. Voilà. Ouh, j'ai pas beaucoup de vie, en fait. Ça redonne pas énormément de vie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais mourir sur une bêtise? On va éviter de mourir sur des bêtises. Parce que, hein, il n'y a pas de sauvegarde auto, rien. Bon, il faudrait quand même que j'arrive à massacrer ce truc-là. Est-ce que j'arrive à passer? Oui, j'ai réussi à passer. On monte ici. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ouh là là, c'est quoi ce truc là? Oh mon dieu, ça m'a foutu les boules. Ça m'a fait trop peur, c'était quoi ce truc là? Ah. Ok, donc on peut pas aller par là. Ça c'est super. Vraiment super, donc je me suis blessé pour rien. Ah, je suis mort. Sniff. Est-ce que ça nous a ramené au point de sauvegarde? Avec la compétence. Est-ce qu'on a au moins la compétence? C'était quoi ça? Tu es mort. Nous avons sauvé les machines esprits. Ouh, elle est chelou celle-là. Quoi? Désolé, mademoiselle, je pense, j'espère que j'ai mal compris. Tu pourrais me réexpliquer ça? Eh oh. Oh, bon sang. C'est dingue, je suis mort. Est-ce que je suis toujours moi? Ah, ça, c'est une bonne question. Bon, ben, on est décédé. En tout cas... Ah oui, c'est bon, quand on meurt, on garde notre truc, mais on est... On respawn forcément ici. Ok. Bon ben, on va continuer. On sait maintenant par où faut aller. Parce qu'on avait... Aïe.
Ouais bon, Nathan, fais un peu gaffe. T'as pas une vie illimitée. Voilà. On continue. Là, faut monter. Tranquillou. Faudra que j'ai Nova pour activer le portail qui était plus haut. Bon, on s'en fiche, on va monter tant qu'il me touche pas. Ah non, ok, faut que je me mette ici. Et voilà, on a activé le portail, c'était des portails. Voilà, je vais reprendre ça. C'est un peu mieux. Mais je sens pas les trucs là-bas. Serait-ce un premier boss ou pas? Aïe 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 aïe. Cours, cours. Voilà, restez seulement dans le coin où vous êtes. Vous êtes très bien là-haut, là-haut. C'est bien. Par contre, toi, j'espère que tu vas me donner de la vie. Waouh, la masse vie que tu donnes. Voilà. On te tue à distance. J'adore le bruit des petits trucs quand tu les exploses. Pouf, pouf. Voilà. Oui, je suis censé faire quoi ici? En fait, je vois même pas par où je dois aller. Les gens, je pense que je suis paumé. Bah dis donc. C'est bien de se paumer tout de suite. Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Ah mais il y a... Voilà, il y avait quelque chose. Et c'est quoi? Module de taille. Augmente la taille des projectiles de vos armes de façon permanente. Waouh! Attends, mais... Sur le Nova, ça... On voit la différence sur le Nova. Mais... C'est pour quel but? Je vois pas le but, en fait. D'avoir des armes un peu plus grandes. Je suis vraiment bloqué. On en parle de ça, les amis. Je suis vraiment bloqué pour le moment. Attendez. Carte. Badadi badada. Attends, attends. Ne me dis pas qu'on pouvait encore monter. Ah non. Je peux pas monter plus ici. Qu'est-ce que tu me chantes? Ah bah si. Mais... Ça, je peux pas le casser pour le moment. On peut pas casser ça. Ouh, j'ai dû louper un truc sans le savoir. J'ai dû louper quelque chose. Non, voilà les gens. Je pense avoir trouvé le chemin. Mais il me reste plus beaucoup de vie. La joie, la joie, la joie, la joie. Voilà, on peut enfin continuer. Donc... Wow, ne me fous pas les boules comme ça, toi. Qu'avons-nous ici? Un point de sauvegarde. Bah, on va sauvegarder. Et c'est tout ce qu'on a. Et c'est tout ce qu'on a. Wow, calme-toi, toi. Voyons voir ce qu'il y a dans cette pièce. On en parle de l'ambiance glauque.
on en parle de cette ambiance glauque. J'ai l'impression qu'il y aura un boss. C'est parti. Petite porte rouge. Ah oui, un boss. La vache, je suis pris au piège. Démon. Oh. Et tu peux parler? Écoute, je suis perdu et... Démon. Athétos a dit tuer. Wow, wow, calme-toi. Aïe, 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 aïe. Calme-toi. Et viens là que je te tire dessus. On évite les projectiles qui nous envoient. Non, trop loin pour utiliser Nova. Aïe. On va essayer de le finir ce boss. Laisse-moi tranquille avec tes bombes. Non mais oh. Y a-t-il un truc spécial à faire ou pas? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit, avec tes bombes. Ouch. Mec. Non! On est mort une deuxième fois. Bon, ça va, il y avait la pièce juste à côté. On va essayer de se le faire, ce boss là. Mais faudrait déjà que je comprenne comment le faire. J'ai été un peu pris au dépourvu. Non mais oh. Voilà, je suis de retour. Vilain monsieur. On évite bien les trucs. Quand il fait ses bombes, on va pas risquer. Aïe, 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 aïe. Bon, monsieur, as-tu beaucoup de vie ou comment ça se passe là? Pourquoi je fonce dans une bombe? Non mais t'as fini là avec ta vie à fond. Aïe. Ah mais il est chiant. Mon dieu, ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils font mal ces bombes? Je suis pas super bien concentré pour le faire. Aïe 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 aïe, j'ai plus beaucoup de vie. Et tout ça à chaque fois parce que je lui fonce soit dessus, soit je me prends une bombe. Vraiment que je me concentre, donc désolé les gens si là je parle pas beaucoup.
Yes! 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 T'es mouru! Il est mort. Il est mort. Et donne-moi toute ta vie, là. Voilà. Non, mais oh. Merci de me redonner de la vie. What? Ouh. Bah, dis donc. Qu'y a-t-il là-dedans? Je ne comprends toujours pas l'alien. Foreuse laser. Une foreuse haute puissance capable de découper la roche. Ok. Ah oui. Ah oui. Youhou. Bon ben, on a de quoi avancer. Et là, faut utiliser Nova. Ah. Et voilà. Non mais oh. Par contre, toi, je te saute au-dessus. Non. C'est ça que je voulais faire. Waouh, je peux vraiment tout détruire. Et on a eu quoi? On a eu quoi? On a eu quoi là? Nodule de puissance améliore les dégâts des armes et des objets de façon permanente. Ah bah dis donc. Waouh. On est bien stuff là pour le moment. Oh, on peut tuer des gens avec la foreuse. Oh mais c'est stylé. Bon, bah les amis, je vais aller au point de sauvegarde, sauvegarder. Et je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Et voilà les gens, on se laisse là. J'espère que cette petite vidéo découverte sur Axiom Verge vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la suite du jeu, etc. Découvrir les autres boss avec moi, et etc. etc. Et dites-moi aussi si vous voulez des... si vous aimez ce type de jeu, si vous voulez des Metroid, des autres jeux comme ça. Même s'ils sont rétro, j'adore ça, vraiment. N'hésitez pas à me demander des jeux rétro aussi, j'adore. Vraiment, j'adore. En tout cas, mettez plein de pouces bleus, partagez un max la vidéo. Et je vous remercie tous de me suivre sur la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao tout le monde.